Elle me semble indispensable et incontournable. Il ne peut pas y avoir transition énergétique et de changement sans le rôle et sans l'impact des entreprises. Et c'est de toute façon à la fois le travail qui sera fait par la société civile, les acteurs publics et évidemment le rôle des entreprises. Bah, elle est double. D'abord parce que l'environnement, dans la façon dont, si je prends le secteur comme les télécoms comme Orange, elle est majeure quand on s'interroge sur les impacts de notre entreprise, par exemple, sur la société. Et donc, on doit comprendre au démarrage quel est notre impact majeur. Par exemple, si je prends l'industrie des télécoms, un des impacts majeurs, c'est l'énergie qui est nécessaire au réseau. Et deuxièmement, je pense qu'elle permet, grâce à la diffusion du numérique, de s'emparer de ces outils pour en faire un outil de partage et de ralliement à une cause intéressante. Alors je trouve que ce qui est en train de se passer est formidable, parce que comme le numérique est diffusé partout, on voit qu'effectivement aujourd'hui, clients, citoyens, consommateurs s'approprient ces nouvelles technologies, par exemple utilisent des applications à intérêt personnel, mais rencontrent une cause supérieure. Typiquement, si on prend une application comme Yuka, ça permet d'avoir des informations plus transparentes sur son alimentation, ou quelque chose qui, moi, m'interpelle et me tient particulièrement à cœur. Quand on regarde ce qu'on est capable de faire avec du numérique, avec par exemple des données en open source, et une imprimante 3D, et d'être capable avec ça de fabriquer par exemple des prothèses pour permettre à des enfants en particulier d'être en situation de handicap de bénéficier de ces prothèses, moi je trouve que ça donne espoir. Essentiel, parce que les agences de communication, elles accompagnent les entreprises sur des sujets et des problématiques qui sont leurs sujets de business, et qu'aujourd'hui, sans le travail qui est fait entre les annonceurs et les agences, on n'y arrivera pas. Et donc, c'est un porte-voix et un travail fait avec elles qui me paraît aujourd'hui indispensable. Positive, confiante.